Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message intemporel de ce jeudi 18 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie du matin, n'est-ce pas, la pensée positive de ce 18 juillet, renoncement. Il est bon de persévérer. Mais c'est une preuve de sagesse, parfois de savoir renoncer. Cela ne signifie pas que l'on abandonne ses objectifs, mais que l'on se donne une meilleure chance de les atteindre en s'y prenant différemment. Et après, une pause nécessaire à toute réflexion, repartir, eh bien, dans une autre direction. Aujourd'hui, j'ai pigé vos émotions. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes face à une impasse. Vous êtes face à un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Eh bien, cette carte, elle arrive au bon moment, afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. En premier lieu, eh bien, je vous invite à être honnête envers vous-même, à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux, eh bien, qui sont blessés et qui ont le droit, mais vraiment le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur, eh bien, du jugement, du qu'en dira-t-on, par peur d'être peut-être abandonné, peut-être par peur d'être humilié, ou encore par peur d'injustice, ou encore par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle, eh bien, vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes consciente, forte, et vous avez le courage de vous choisir. Rituel. Prenez un cahier d'écriture intuitive et décrivez sans vous arrêter et sans censurer comment vous vous sentez face à cette situation. Comment vous sentez-vous à la situation que vous vivez à l'heure actuelle? Ça peut être une situation au point de vue personnel. La situation peut provenir dans votre couple, sentimentalement, familial, professionnel. Décrivez cette situation et écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Tout, 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 tout. Comment percevez-vous la situation? Vous écrivez. Quelles sont les personnes impliquées? Vous écrivez. Quelles sont vos émotions à l'état brut? Vous écrivez. N'ayez pas peur. Permettez-vous d'écrire vos jugements. Laissez-vous exprimer le pire
à travers cette situation qui est tellement désagréable et émotionnellement qui est lourde. Donnez-vous les moyens sans vous sentir coupable. Alors je vous invite à prendre le temps de faire cet exercice dans un endroit calme et paisible, et ensuite, eh bien, déchirez la feuille sur laquelle vous avez écrit. Brûlez-la dans un endroit sûr pour ne plus avoir cette énergie négative avec vous. Si vous brûlez vos écrits, vous pouvez prendre les cendres et les mettre en terre pour les transformer en amour. Toute cette colère, toutes ces émotions que vous avez, eh bien vous les écrivez. Vous écrivez toutes, ça peut être des émotions de rancœur, de rage, voilà, écrivez-les, et là ça sort, voilà. Vous allez sortir toutes ces émotions qui vous bloquent. Et puis on termine par, sur une page de notes que vous conserverez, inscrivez les vérités que vous percevez à travers la situation à partir de l'espace de votre petit cœur. Et soyez-en, reconnaissante, car vous progressez de manière positive. Cessez de vous raconter des histoires et révélez vos émotions. Ça va vous permettre d'avancer. Encore un très très beau message. Alors je termine par la pensée positive, et aujourd'hui j'ai pigé: j'ai conscience de la synchronicité dans ma vie. Plus je prends conscience de la synchronicité dans ma vie, plus fréquemment je vais la rencontrer. Je vous souhaite une toute belle journée lumineuse avec beaucoup d'amour. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.